Une kirche, une halte, Il y a une détonation dans l'église. Je l'ai entendue de là où j'étais, près des camions. On pouvait voir un peu de l'église, les tours et un peu des fenêtres. Le reste était caché par des arbres. Nous, on était en bas, près des véhicules. Ça a explosé, et c'est alors qu'on a entendu les cris des femmes et des enfants. J'étais effondré. Je n'avais jamais assisté à une chose pareille. Quand on a entendu ces cris, je m'y revois encore. C'était tellement effroyable. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Nos supérieurs étaient tellement stupides. Et on ne pouvait rien faire contre. Les soldats étaient tous obligés de tirer. Moi, Dieu merci, je n'ai pas eu à tirer une seule fois, parce que j'étais à distance. Juste avant, j'avais empêché un jeune garçon d'entrer dans le village. Mes supérieurs voulaient me punir pour ça. J'étais tout simplement saisi d'effroi. Je leur ai dit, « Mais laissez donc seulement la vie sauve à ces femmes et à ces enfants !» Mais il n'y avait plus rien à faire. Pour certains, nous n'avions que 17 ou 18 ans. C'était que des gamins. Ils les ont mis là, et on leur a demandé de tirer sur les gens. C'était terrible, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Pauvres gens. Nous, dans le camion, quand on est reparti, on n'osait plus se regarder. Personne n'a dit le moindre mot. De toute ma vie, je n'ai jamais cessé d'y penser. Cette oradour. Ça m'a torturé pendant toutes ces années. Pendant 70 ans. Et je ne vais jamais oublier. Les cris des femmes qui sortaient, ça n'a pas cessé de me transpercer. C'est terrible. Presque chaque soir, en allant au lit, je me suis endormi en pensant à Oradour. Et le jour suivant, ça n'allait pas mieux. Je n'ai jamais pu oublier que les Allemands ont pu faire une telle chose. J'ai eu honte pour l'Allemagne. Longtemps, je n'ai pas osé venir en France. J'ai eu trop honte. Je pensais, tu ne peux pas rendre visite aux Français alors que tu étais là, quand ces gens ont été tués. Et une fois, je suis venu à Paris. Mais c'était l'enfer. Chaque nuit, je pensais, tu es en France. Tu ne devrais pas infliger ça aux Français. En cas de condamnation, est-ce que vous accepteriez ou vous trouveriez ça injuste? J'accepterais. Je ne ferai pas appel. Ou quoi que ce soit d'autre. Je suis à la disposition de la justice. Et si une peine devait être prononcée, je l'accepterais. Et si je suis innocenté, je considérais que cela blanchit aussi mes camarades, entraînés là-dedans. J'accepterais tout. J'en ai assez. Je ne comprends pas la justice allemande. Dans ce sens que pendant des années, ils n'ont rien fait. Et maintenant, ils ont réussi à attraper le dernier idiot qui reste et qui n'aurait concrètement que pu exécuter des ordres. Maintenant, ils s'en prennent à lui. À eux de se justifier avec ça. Moi, peu m'importe. En réalité, je suis maintenant heureux qu'on en arrive au fait. Comme ça, je pourrais enfin tirer un trait sur Oradour. De toute façon, les cris, je les entendrai toujours en me réveillant la nuit. Et je me dirai encore, oh mon Dieu, tu dois encore entendre cette horreur.